final, je repasse au train d'eau. Pour la faire passer là, il faut lui faire monter la pente. Vas-y. Ah oui, mais il n'y a pas d'accord. Vous voulez, mais oui, c'est très cher. Ils sont chers, je trouve, oui. Je vois pas où il y a des spécialistes aéromodélistes intéressants. Éventuellement, les beaux frères et belles sœurs. Alors, reste en haut, là. Et en plus, il... Ah, mais elle est à l'envers. Il y a un peu en manque de pression. Gilles. Normal, elle a fait plusieurs tours. Gilles. Ouais. Remets-toi dans le sens normal. Oui, après. Tu te remets dans le sens avec le précipitateur. C'est bon, là, on peut y aller. Elle est acquise, celle-là. Voilà, pression. C'est quoi la pression? C'est marrant, quand je suis tout seul et que je le fais fonctionner, elle marche bien en pratique. C'est normal. J'ai jamais de problème. Là, j'ai pas assez de pression, tu vois. Non, c'est pas beaucoup. Pas pointu. Elle y va, là. Ouais, mais elle doit monter à 4 barres. Bon, pas mal. Col de bête, attends, faut qu'il y a après de la nature. Il y a les documents. Je vais le prendre tout de suite, voilà. Comme ça je ne vais pas oublier. Oui, oui.
fait rien. Je pense que j'ai un problème de manomètre, la pression indique 0 et puis... C'est le bordel. Ah oui, mais alors lui, l'avancement, c'est quand il va être en avance, il va falloir qu'il fasse un arrière-garde. Hein. Dans le vache marron. Hein. Pas de réglage autour des routes, c'est un gros avantage. Hein. La vitesse maxi que j'ai mis, ça va, ça suffit. Ah oui, oui, faut pas aller trop vite. Hein. Elle est toujours bien en pression, non? Elle est partie pour un moment. En fait, tu t'aperçois que tu mets 50 cm cube d'alcool pour faire la chauffe, et t'en mets 50 pour rouler. Ouais. Globalement, c'est ça. C'est même là, elle va trop vite. Quoi.